C'est moi ça? On dirait hein. Waouh. Yo. Comment je... Tous les sites d'extraction fonctionnent parfaitement. La production quotidienne est un peu faible à mon goût. Oh, le propulseur RCS numéro 12 a eu des ratés. Comment je sors de là? Bien. Attends une seconde. Arrêtez l'enregistrement. Bien reçu. Oh putain, tu fais peur. Bonjour, toi. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Bah, ça va bien, hein. Bonne cuite hier soir. Hein. T'es avec moi? Hera, vous avez le feu vert pour lancer le programme de calibrage de Jack. C'est moi, Jack? Rentre là-dedans, Jack. Je te retrouve dans un instant. Waouh! Ouais, mais m'enferme pas trop, je suis claustro. Module D221. Bonjour. Je suis Hera. Bonjour, Hera. Je vais vous guider à travers le programme de calibrage. Pour continuer, appuyez avec l'index sur le bouton situé devant vous. Waouh! Prenez le disque lumineux qui apparaît. Quand vous êtes prêt, lancez le disque dans le but juste devant vous. Une vraie merde, vraiment. C'est bon là. Je suis un boss. Excellent lancé. Merci, merci. Module de calibrage terminé. Cette unité ouvrière. Waouh. Ah, il faut que je me propulse du coup. Ça, bah, vu que c'est en apesanteur. Oui, oui. Non. Ah putain, je suis obligé de me prendre partout du coup. Putain, je prends un kiff monumental. Boum. Je suis vraiment dans l'espace. Eh, petit boule, mec. Attends, je te récupère. Module A131, scanner de données. Erreur. Échec du programme de calibrage. Réinitialisation en cours. Ah merde, il y a une couille. Soit leur priorité. Votre unité Echo est le sujet idéal. Jack, qu'est-ce qui s'est passé? Le programme a planté. Le programme de calibrage a planté. Apparemment, je suis coincé dans la capsule d'activation. C'est vraiment bizarre. Oh quoi? Tu m'enlèves la main comme ça. Planté. Ah, je suis pas un moustique, tu me dégages pas comme ça. Les protocoles de... Oula, je... T'es prêt. Je crois que tu viens juste d'être promu. Ah. Les directeurs veulent que tu prennes mon poste de commandant de la station. Mais je suis un robot. Tiens, attrape ça là, tu l'as perdu. Dernière semaine ensemble. T'as réagi de ouf. Ils m'ont appris la nouvelle. Attends. Il y a juste quelques minutes. Je veux ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Singe à injure. Putain, mais... Peine de se décourager. C'est quoi? C'est des piles? Bien reçu. Désolé. Ah putain, ça me termine. Mais il y a trop de trucs à faire. Par exemple, faudrait vraiment que je pense à me couper les cheveux, un de ces quatre. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je me coupe les cheveux ou pas. Bonjour. Je sais pas comment... C'est une intro qui est faite pas au début de la vidéo. Mais c'est tout ça pour vous dire qu'il y a 64% des gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés à ma chaîne. Vous vous rendez compte, 64%? 64, c'est énorme. Donc tu prends 100 000 vues, ça veut dire qu'il y a 64 000 personnes qui sont pas abonnées à ma chaîne. C'est des stats qui font peur quand même. Pourquoi vous êtes pas abonné à ma chaîne? Ça se trouve, c'est peut-être même pas la première vidéo que vous voyez de moi. Peut-être la deuxième, la troisième, et t'es toujours pas abonné? Vérifie. En vrai, j'aimerais bien me donner un objectif, c'est d'arriver aux 200 000 abonnés avant Noël, ce qui est littéralement impossible. Mais tu connais hein, la vie de Shonen, Naruto il veut devenir Hokage, Luffy il veut devenir le roi des pirates, Cyclo... Il veut devenir le prince des youtubeurs. J'ai fait tomber mon téléphone. Bref, abonne-toi. Oh, oh. Ok, activé. Passage au cycle de jour. Holy shit. Waouh. Ah oui, mais on est dans la... Ça va vraiment manquer. On est dans Saturne, quoi. Laisse-moi juste le temps de profiter un peu de cette vue. Ah ouais, non, elle est insane. Pourquoi trouves-tu ces créatures attirantes? C'est un bulldog. Les bulldogs sont le symbole de l'esprit britannique. Même quand tout va mal, on fonce. Oh, je suis un dinosaure pas très loin de Saturne. Tiens-moi le T-Rex. Ah, le Triceratops. Je suis pas du tout un Triceratops. Non, toi, c'est un T-Rex. Je suis en train de partir à la dérive dans le vaisseau. Prends la ferme, Jack. Dans quelques jours, tu seras le Capitaine Jack. Capitaine Jack Sparrow. Félicitations, Capitaine Jack. Sparrow. Je ne peux pas être promu. Est-ce ta façon de me dire que je vais te manquer? Ça ne fait aucun doute. Oh! C'était quoi, ça? On a eu un problème. Jack, t'as senti ça? Ouais, je l'ai senti, mec. Oh, what? C'est quoi, ce bordel? Ça vient de là-bas. Attends, je m'agrippe à toi. J'ai pas voulu. Qu'est-ce que c'est? Oula. Ce que c'est? Je crains que non. Il n'y a aucune trace d'un tel phénomène. Oh, bah, me pousse pas comme ça, t'es taré. Il s'agit d'une anomalie. Waouh! Oh, fais chier. Liv, il est possible que cette anomalie ne soit pas tout à fait stable. Tu crois? Comme moi, là, je suis pas du tout stable. J'ai trop du mal. Oui, Jack? Non, mais bah, parle mieux, s'il te plaît. Il est génial, ce jeu. Il est sorti en 2018 et il a été full récompensé parce qu'il est trop bien. Mais attends, mais il y a un robot bizarre là-bas. Qu'est-ce que tu fais, mec? Unité 12, tout va bien? Avez-vous été endommagé par cette pulsation? Ça va? Il va où? Oh putain, il m'emmène avec lui. Hera, quel est le statut? Dis-moi tout. Défaillance de niveau 1 détectée. Ok. Isolé et identifié. Où est-ce que c'est? Donc là, c'est le vaisseau, c'est où on est, hein. Ah, je peux tourner comme ça. Waouh, c'est insane.
Ça fait beaucoup de rouge. Ouais. Panne de courant signalée dans le jardin à oxygène principal. C'est Hera. Salut toi. Comment tu vas? Ça va bien? Bonjour Hera. Bonjour Echo 1. Je parle à une caméra? Bah comme sur YouTube quoi. Waouh. Attends, mais je suis dans sa chambre là en fait. C'est une douche? C'est une douche ou elle dort là-dedans genre? Tu vois, ça veut dire que je me suis mis dans son lit, c'est un peu chelou. Fou. Oh non, je me suis merdé. Tu es prêt? Non, je suis coincé dans le vaisseau. On peut commencer. Super. Dis-moi tout, Père Castor. Elle commence pas super, notre dernière semaine. J'arrive pas à croire qu'on ait autant de défaillances en même temps. Nous n'avons jamais vu non plus d'anomalie spatiale non identifiée apparaître directement par bâbord avant. Bâbord avant, mec. Tu réalises qu'il est possible qu'on vienne de faire une découverte scientifique révolutionnaire? C'est pas encore le moment d'écrire. Tu vas trop vite, meuf. Ah, qu'est-ce que... Tu m'agrippes à toi. Son nom sécurisé dans son compartiment. Crois pas que... Ça, j'avais remarqué. Quoi? Mais... Excuse-moi. Je vais découper ça. Tu m'en veux pas, j'ai une manie. C'est tout envoyé dans la gueule. Allume ta lampe frontale, Jack. Il fait hyper noir là-dedans. T'es ébloui? Là, je t'éblouis encore. Ébloui? Plus ébloui. Faut que je le... Ah non. Olivia, j'ai localisé le panneau de ma... Parfait. Laisse ta lampe allumée encore un peu, pendant que j'enlève le couvercle. Bah en fait, je viens de l'enlever le couvercle. Montre-moi comment t'enlèves un couvercle qui est déjà enlevé. Vas-y. Ok. Alors, ça dit quoi à l'intérieur? Le court-circuit a provoqué un plantage complet du système. Faut réinitialiser chacune des commandes environnementales. Peux-tu trouver le raccordement d'urgence pendant que je m'occupe du reste? Raccordement d'urgence. Il faut sûrement réaligner les bobines. Lance un scan pour confirmer. Les bobines sont endommagées. Déverrouillez pour qu'on puisse regarder de plus près. Ok. Putain, mais c'est mon gus en... en plus hardcore. Voilà, là, il y a une rangée. Putain, les tâches, c'est plus ce que c'était. Hein. Donc là, j'en ai un sur trois. Et là, pour réparer le vaisseau, quoi. Attention avec ça. L'un de nous a encore besoin de respirer de l'air ici pendant quelques jours. Ça te fait rire, ça? Parce que t'es humaine et moi un robot. Et comme ça, lui, je le monte un peu. C'est bon. L'alerte a dû couper l'alimentation en eau des systèmes hydroponiques. Le système isole le réservoir en calcul. Tu dois pomper avec la poignée pour rétablir la pression. Ok, c'est juste... je masturbe une machine, quoi. Et ben voilà. Alimentation en eau rétablie. C'est quoi, c'est un sabre laser? On dirait un sabre laser. 3, 2, 1... Maintenant, là? Vas-y. Jardin oxygène opéré. Wouhou! Top là. Attends, si j'y arrive. Ouais! Hera, l'image est-elle à l'échelle? Affirmatif. Pourquoi, ça fait la taille du vaisseau? Regardons ça de plus près. C'est immense par rapport au vaisseau. On dirait un trou de balle. Regardez-moi un peu ça, là. On fait quoi, maintenant? On met le doigt dedans. C'est ce qu'il faut faire quand on a un problème. Faut mettre le doigt sur le problème. Je crois bien que je dois t'envoyer au plus près de l'anomalie pour l'examiner. Oh, quoi? Mais non, c'est pas une bonne idée. Elle veut m'envoyer dans le trou du cul de Saturne. Elle veut m'envoyer là-bas, là. Je dois aller au bout, là. Attention, ouverture du sas. C'est vous qui décidez. Moi, je suis qu'un robot, hein. Si je meurs, je reviens dans un autre corps, ok? Allez, super. Si tu veux sortir, mets ta tenue EVA. Ok. Tu dois fixer la tenue sur ton dos. C'est bon. À tout à l'heure. Fais-le vite dans le sas. Eh, dépressurisation. Va dehors et avance jusqu'à l'anomalie. Ok, je vais dans l'espace, dans le trou du cul de Saturne. L'espace, le trou du cul de Saturne. Dépressurisation terminée. Prêt pour le départ en EVA. Sois prudent là-bas. Ok. Pff, allez, c'est l'espace. C'est le vide. Ta mère. Un transporteur Fury arrimé juste à côté du sas. Il va pouvoir t'amener directement à l'anomalie. Let's go. Je m'accroche. Allez, c'est parti! Petit rodéo de l'espace. Je suis en... Wouhou! C'est insane. Oh là là, le trou du cul. Et ça commence à sortir un petit peu la merde. Bon voyage. Merci. Ciao. C'est incroyable. Ah, j'ai des problèmes. Oh, oh, oh. Je perds le contrôle. Je dérive vers l'anomalie. Mais ça a pété ou quoi? Je fais quoi? Annule tout, Jack! Sors de là, vite! Abandonne le Fury! J'ai pas envie. Jack! Est-ce que je suis humain? Est-ce que j'ai une conscience? Est-ce que ce qui me sert de caméra dans ma tête, les gens sont-ils en train de regarder tout ça? Les gens sont-ils abonnés?